Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, un plaisir de vous retrouver. Eh bien, dans le cadre d'opération ou bien et alternative cap étudié pour capable contre carré gagné sous territoire pays d'Haïtien. Jeudi, c'est 3 novembre 2024. Madame, monsieur, nous portez pour information tout chaud. Restez connecté. Eh bien, gagné 25 soldats haïtiens qui al prend formation dans pays étranger. Jean-Marc Berthier Antoine, qui lui-même c'est ministre défense pays d'Haïti, fait connaître que jeudi à la même 25 soldats FADH et aller dans le pays Martinique pour être capable de prendre une formation spécialisée. Et nous tous connaissons qui sa formation spécialisée veut dire. Donc c'est moun qui est tactique, c'est moun qui est capable de contrecarrer avec un phénomène insécurité ça. Et bien, faut dire que force armée française là qui prend le bail et jeunes soldats nous formation. Et bien, j'ai senti annoncer que plusieurs dizaines tout qui prennent la formation dans le pays Mexique, dans le pays Argentine et l'autre côté. Donc bataille pour Yolame qui moderne, eh bien, ministre des Défense fait connaître que y a continué. Le détail nous porter pour madame monsieur élection dans pays États-Unis. Rete simplement deux jours avant que jour J arrive, avant que bataille finale en fait. Eh bien, faut me dire que bagarre là qui est un petit peu compliqué surtout dans état qui neutre et deux candidats qui ont même a essayé comme capable gagner plus dans ça qui est pour avec vote populaire là. Donc Kamala Harris face avec Donald Trump, eh bien yo coude à coude pour voir comment yo capable gagner coup pour rentrer dans Maison Blanche. Madame monsieur bah là et bah là un petit peu compliqué. Eh bien oui, j'entends dire madame monsieur gagné et en pile détail, en pile information nous pote baou. Nous pral éviter pour rester connecté ou pral tande yo en dans vidéo ça. Mais avant ça, si pour like, n'a pas éviter faire ça kounya, si pour abonner, c'est meilleur moment pour faire ça pour capable rester informé avec toute dernière actualité qui a passé dans le pays d'Haïti. Eh bien nous après bon là beaucoup de panneaux dans pays panneaux gagne plusieurs soldats FADH, eh bien, qui a peine à quitter là, dans le moment ça, mesdames, messieurs, qui prend la formation, justement, dans le pays, la France. Évidemment, nous allons le détailler pour vous, nous, et messieurs, vraiment, et quand même, plusieurs jeunes garçons, vraiment, qui prend la formation en France, nous allons le détailler pour vous. Sans côté, nous, le commissaire Muscadet, lui-même, beaucoup de parle, eh bien, qui a peine éliminé, ont évadé, n'a pas salué Salomon, là, nous, monsieur, bonsoir. Et bonsoir et Salomon, et bonsoir et Prédent Zabri Bojino, et pourquoi pas Jimmy PDG Panon. Et bien encore une fois, nous comptons, dans le moment ça, chaque auditeur de Chanel, mon affaire Bonsu TV, qui est toujours fidèle avec plateforme cela, et bien nous sommes plaisir pour entrer dans la caille nous. Dans ce sujet, vous continuez à partager toutes les informations qui dominent l'actualité à ce plan national et international. Et bien nous capables de dire, Salomon, nous est là, actualité, nous sommes à moins de 48 heures. Par rapport avec le 5 novembre cabine là, les juges des élections américaines, côté nous là, il y a une situation qui aggravée entre deux candidats, Donald Trump et Kamala Harris. Et bien encore une fois, Donald Trump a attaqué la communauté hispanophobie, côté qu'il a attaqué le pays et nous avons parlé de Puerto Rico, le pays Puerto Rico, mais actuellement la Dimi. Nous sommes capables de dire son situation qui est très chauffée aux États-Unis avant que l'élection même lui vive. Et sans oublier, au niveau pays d'Haïti, nous sommes là, eh bien, plus environ vingtaine militaires FADH qui déjà prennent son pays, la France, pour avoir une formation. Nous allons parler de ça et sans oublier tout, nous sommes là, au niveau département sud-est, il y a une jeune dame qui tue et ménage par rapport au balement. Si vous connaissez qu'elle n'a pas le voyage, tout en c'est pas vrai. Nous allons parler d'ensemble de pour ça, encore une fois, nous saluons tout le monde. Encore une fois, nous saluons Salomon. Eh bien, Lionel, on a entré avec information. Yo, nous parlons là au niveau de Solino Pont National. Après la police. Et avant nous entrer dans Solino Pont National, effectivement, oui, nous allons entrer dans la question FADH militaire d'Haïti. Plus de 20 militaires de l'armée d'Haïti ont quitté le pays. Dimanche 3 novembre 2024, dans la direction pays la France, pour suivre formation dans la coopération bilatérale en deux pays. D'après l'information, nous avons une formation qui va permettre un renforcement de capacité opérationnelle. Et nous avons parlé de force, l'armée d'Haïti, Emmanuel Lamea, qui a été proche d'arrêt. Et bien, monsieur, il y a 20 militaires dans l'armée d'Haïti qui a été payé, qui a pris direction la France dans le cadre de formation. Mais cadre de coopération bilatérale en deux pays, mais information, je nous arrive de nous, on va permettre de renforcer la capacité opérationnelle dans le cadre de bataille contre Léonel. Mais quelque part, nous sommes là, parce que
20 militaires aériens spécialisés pour capable former l'autre militaire, mais quand même, nous sommes capables de dire bon coup quand même pour l'armée d'Haïti. Bon, nous sommes capables de dire qu'il y a un vide, un manquement, un lacune qui est dans l'armée, en ce qui a travers des manières pour piloter hélicoptère, pour capable de manier drone et ensemble des capacités qui ont été renforcées au sein de l'armée d'Haïti. Et bien, plus de 20 militaires déjà quitté le pays pour qu'on revienne dans le pays la France. Et bien, d'après l'information, c'est pour être capable d'essayer de combler la crise pour mettre les gens capables de capacité pour capable de manœuvrer gros matériel pour gagner à disposition dans les mois à venir. Toutefois, nous connaissons toujours bien si ou non, puisque c'est le pays la France, mais nous sommes capables de dire. C'est une capacité en plus et monsieur Abgain pour que soit capable de gagner l'armée qui plus ou moins provisoire. Voilà, pendant ce temps, on va avancer, nous partons de la nôle. Et ces gens qui nous suivent sur l'écran, mesdames, messieurs, nous voyons que c'est plusieurs militaires FADH. Et nous voyons que monsieur est vraiment bien frais. Hein? Et c'est le problème qui est là, c'est bon, nous toujours dit le problème, non, c'est la France. Nous comptons très bien par ces histoires que nous avons avec la France. Et pour qui ça, c'est la France? Pour qui ça, c'est pas l'autre pays? Parce que nous voyons que Haïti, quand même, il y a un très bon partenariat avec le Mexique. Il y a souvent une formation au Mexique. Et puis, je veux dire là, nous voyons c'est la France. Bon. Et c'est sûr et certain, bon, ça fait que quelqu'un monde réagit évidemment. Mais quand même, nous avons regardé monsieur là, où ils ont décidé, et ils ont prêt pour faire travail, pour venir utile pays. Mais ou même, qui sont comprennent l'effet que c'est la France. Et comment on comprend ça? L'effet que c'est la France que monsieur ça prend pour formation. Pas oublier, pas gain hasard. Ils n'ont pas fait rien par hasard, je veux dire là. Et par contre, ça, on a ça, Salomon, frère. Eh bien, et pablier formation ministérielle et pablier l'autre la France, les États-Unis, le Canada et c'est un pays dans cadre militaire formation militaire très avancé et n'a point et la Russie mais par rapport à le pays taio yo très avancé mais malheureusement et nous avons dit Équateur aussi maintenant et là les militaires États-Unis. Mais pas ce qui va être capable d'apprendre. Même les gens qui ont dit bon, c'est aussi des formés. Mais quelque part, ils ont formation que nous avons prendre. Et ils ont formation que nous avons quand même pour faire expertise avec l'autre militaire. Moi, je pense que c'est un bon choix, mais qu'on a dit, c'est qui servit à venir. Pour les manger, c'est pas être formation pour formation. Maintenant, être formation, mais est-ce qu'il y a servi avec eux? Est-ce qu'il y a fait un matériel? Salomon, il y a pas qui pour bon matériel, Salomon. Ça c'est responsabilité pas. Il y a déjà bonne formation. Nous sommes pays les grands monde là. Nous c'est faut nous suspendre comme si tout le monde n'est pas qu'à tout à ban nous. C'est nous pour acheter à faire. Nous c'est nous pour responsabilité nous. Mobile là, mobile pas exister. Vous comprenez si toi en politique, si toi en affaire, pas gain mobile. Comme si tout son besoin, c'est acheter pour acheter. Vous comprenez? C'est pour le ministre de la Défense, pour dégager, pour acheter matériel qui a besoin. Mobile, ici, dans le pays étranger, là où nous faisons un bagage, là où nous faisons un bagage, on pose toutes les questions qu'on va aider ça. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas attendre quoi que ce soit que le monde prenne le bon bagage. Ils ne paguent pas pour nous quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas louer nous ça. Vous comprenez? C'est nous-mêmes qui pouvons prendre responsabilité. Nous besoin de drones pour nous acheter drones. Nous avons besoin d'hélicoptères pour nous acheter hélicoptères. Tout ça, nous besoin pour nous acheter. Pas le monde, le monde n'a pas doué nous en rien pour venir ban nous. Mobile n'a pas existé, mesdames, messieurs. Bon, ici, nous disons, là où nous faisons un bagage, on pose toutes les questions. Mais j'en nous dis, c'est la France qui va prendre formation ça. Moi, il y a un peu de monde qui n'est pas content. Bon, évidemment, moi-même, mon obligé de retirer un petit genre indécis sur ça. Parce que nous, voyons que, bon, je dis, il était gagné à prendre formation ça au Mexique. Et pour pas dire Équateur. Mais bref. Et je pense que c'est le ministre de la Défense hein, qui connaît pour qui raison qu'il a accepté et prend formation ça bon côté la France, sachant très bien passé historique nous. Passé historique nous avec la France, c'est bon bah qui facile, mais en même temps tout, comme son gouvernement qui va gagner dans figure qui l'a tout, comme son gouvernement qui fait n'importe quoi, donc nous sommes capables de comprendre ça. Mais l'essentiel, je pense que la formation ça l'a utile, monsieur, quand même. Oui, oui. Allô. Ouais. Bon, et nous pas capable ignorer contentieux historique parce que l'autre pays et nous capable dire l'armée et nous capable dire l'armée d'Haïti dans le temps, nous quand l'armée indigène qui s'est battre l'armée napoléonienne
et je dis à la prouesse, même l'armée ça qui sorti victorieuse sous l'armée française qui va prendre formation la caillou, nous avons toujours grand pile doute est-ce que formation ça que nous MBC nous va prendre, nous avons trouvé ça en question. Et je dis à la pigre plaidoirie dans ce poste fin, c'est pour des propres académies, académie militaire nous la caille pas nous. Quel que soit le pays qui veut nous aider, eh bien, nous aider nous pour nous capables de gagner une propre autonomie pour nous former et force de l'autre bio. Et il y a deux pays sur la terre, Haïti, pas besoin de voir mieux, la France, par rapport avec le contexte historique, non, c'est au cap tout pisine, c'est déjà un pays à pauvre, c'est le premier pays qui faut mettre en question, c'est la France. Le deuxième pays, je dis, c'est la République dominicaine, nous connaissons. Et les États-Unis qui volent les noirs, il ne faut pas oublier les États-Unis également, non? Oui, nous avons venu sur les États-Unis tout, mais nous prenons deux premiers pays, pour les États-Unis qui je dis, qui cause nous l'État nous. Mais quand même, je pense que faut qu'on fasse un pile prudence, l'un a battu bravo, l'un a dit bravo, pour que ce n'est pas des bagues qui viennent contre nous. Et ça, c'est le militaire qui a venu là, qui a pris formation. Je souhaite que il y a une lumière qui baille, qui sort des formations sur le point, et les États-Unis plus capables de mettre des expertises au service de l'armée. Mais toutefois, je crois que la meilleure formule, c'est pour nous propre. Académie et militaire nous la caille pas nous pour former militaire nous et les ça y a formé avec yon amour avec yon l'amour de la patrie sacré et ça qui nous plonge dans le temps mais c'était très 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 mes pays yo mais pas quoi que messieurs même c'est parce qu'ils ont tort ils pas en tort parce qu'ils sont formation mais quoi que faut que nous soyons nous pour qu'ils font attendre yo ban nous parce que nous avons songé dernièrement la France est détichée de l'humanité ban nous pour capable et dans cadre renforcement et force armée nous dit. Voilà. Et en même temps, tout, mesdames, monsieur, ça va vouloir dire que l'effet que Wal pour une formation dans l'autre pays, ça va vouloir dire qu'on sont traite pour ça. C'est même gens nous-mêmes qui l'a nous à l'étudier dans pays, dans plusieurs autres pays, mais nous toujours été et nous toujours grand soutien et côté patriotique nous en pays par nous. Ou à l'étudier en France, ou à l'étudier Canada, etc. Mais ça pas faut qu'on soit au haïtien pour ça. Ou comment ça va vouloir dire qu'on va pas le servir pour ça. Bien que l'armée est assez différent, parce que nous connaissons souvent qu'on lavage des cerveaux fait, qu'on lavage des cerveaux que souvent fait dans milieu ça. Mais bref, et pour qu'on y a là, c'est Jacques qui n'a pas suivi là. Nous, monsieur, vraiment frais, hein. Monsieur, vraiment frais. Et côté que c'est plusieurs jeunes garçons, et bien nous, là, nous, on a parlé là, qui a à peine quitté là. Il a à peine quitté, il prend direction la France, et monsieur, Ovini. Voilà, et évidemment, nous-mêmes, n'a pas avancé, hein. Oui, Salomon. Maintenant, mais bon bah il faut regarder tout ça et aspect que son pays la France que son pays et comme ça mais si bien qui veut nous dire là le pays qui veut nous parler dans notre vie et ça était un pays très pays en plus tard lorsque ça le débat qui est à là et ça le débat qui est à là dit il a volé l'ONU aussi et tout le monde se boutait ça là et a repris son colon et là nous on va dire ça. En guerre, on vient encore faire ça, faire ça, pour qu'il m'aide les États-Unis pour voyer pour dédommager nous normalement redévelopper il y a des points 17 décembre 1914 là dans Balkan et BRS là moi c'est que du mec espagne tout qui vient à faire plus gros génocide que mon papa jamais connaît et à travers et génocide qui s'est fait en 1492 même pense que je dis là je pense que en pile bagage pour nous être capable d'apprendre mais en pile pays du mec mais je dis vous voyez les militaires, oui, allez pour formation en France, est-ce qu'ils ont formé nous pour former nous pour une bataille, pour nous aider nous en non, mais ils formé nous pour Occident, ils ont formé nous pour l'ambassade, ils ont formé nous pour des étrangers, des gens étrangers, dans ce qui est problème. C'est tout ça, je vais vous dire, c'est tout ça, je vais vous dire. Moi, je dis, et former les militaires, c'est un service matériel, un service aux mêmes gens. Dans l'école, nous avons dit, je fais NSD. Vous êtes tous les gens, mais si vous n'avez pas appris, vous n'avez pas appris. Vous êtes un militaire en France, libéré. Mais est-ce qu'il est venu, il a gâché avec un blindé, il a gâché un hélicoptère, il a gâché un équipement de barrage. Est-ce que le gouvernement n'a pas appris, il a même eu un prêt toujours
en carrière, tout ça aux États-Unis. C'est pas vrai pour la formation, mais faut que nous faisons avec tout. Dans quatre expertises que vous avez dans le pays là. Pour l'instant, pas de comment. Monsieur, ça me décapable dit, et qu'on y a là, nous, que Edgar Leblanc, monsieur te fait demande. Monsieur Duté fait demande pour que la France remette Haïti et comme indépendance là. Est-ce que je dis à la, si Edgar Leblanc est toujours président, est-ce que formation ça que la France décide à monsieur FADH, est-ce que tu as baillé? Nous avons des questions qui nous ont posé, que nous avons des réponses là. Hein? Je dis à la, nous voyons que nous avons fait un genre, écarté Edgar Leblanc, et puis question l'argent d'être indépendance là. Il n'y a pas parlé de ça encore. Leslie Voltaire comme Gourat, hein, y a pas parlé de bagarre comme ça. Ça, c'est comme s'il pas existé. Après bel discours ça, hein, ou pas attendre parler de ça. Mais je nous dis là, mesdames et messieurs, est-ce que si Edgar Leblanc est là toujours, est-ce que si la population te continue à demander pour la France remettre comme là, est-ce que français ça yo t'as vu une jour là pour venir la mienne et information, monsieur, nous qui réponse là. Donc on nous avance. Nous avançons, nous parlons pour l'autre info quand même. Et puisque nous sommes commissaire Muscadet, eh bien, qui faut appeler là, monsieur? Eh bien, effectivement, vous avez dit, commissaire Muscadet, qui est toujours dans l'actualité, nous sommes capables de dans la ville au Caire, dans le 4 semaines, commissaire Muscadet, eh bien, qui est éteint. Nous allons parler dans le 4 semaines avec un évadé, nous allons parler qui est sur le commissaire qui a été enquêté. Mais arrivé, perdu la ville en bas de commissaire Muscadet. Et commissaire Muscadet qui continue à veiller ni département ni plan, ni département Sudan. Et nous connaissons le département Sudan, il a à peine gagné. Il y a un nouveau, nous allons parler commissaire. Et l'autre qui sorti dans ce gouvernement. Et mais ça va empêcher commissaire Muscadet de continuer à veiller dans le département Sudan, Léonel. Bon, les gens considèrent la quantité de bandits dans le pays et le commissaire Muscadet n'a pas décidé de baisser les bandes comme une petite pierre est lancée dans le champ, ça veut dire mais c'est en pile. On avance Salomon, et monsieur, là, il y a un problème signal. Bon, et bien, pour résumer, nous avons le commissaire Muscadet qui continue à craquer les bandits. Commissaire Muscadet qui continue et développement sud là avec un département ni plan qui est un défi pour un pile bandit. Il y a même qui continue à piaffer dans la zone métropolitaine, dans la capitale là. Mais la capitale là, il y a fait ça, il y a fait plus vite. Et même nous avons dit dans deux départements qui étaient un vêtement. Nous avons parlé de deux départements qui étaient un cimetière pour faire bandit. Il y a même quatre là, mais qui peut aller voir un grand palais dans le département. Mais il faut aller voir parmi eux ou bien tout. Je pense que pas gagner une enseigne qui se domine. Mais le commissaire Muscadet toujours dit ça. Nous allons parler du département du plan avec le département Sudan. La prêté, ils ont des prix pour eux. Et le commissaire Muscadet dans le plan, Muscadet a peine blessé mortellement. Ils ont individu toujours à 4 semaines en vue au Caïn. Tout ça, c'est un évadé que la justice a été condamnée pour être résumé en prison. Quand ils sont vivants ensemble, c'est la guerre. Mais en gros, pour y être, nous allons parler. Qui passait de la vie à trépas, commissaire Muscadet lui-même, il dit département, il n'y a pas d'espace, ni pour nègres, soi-disant, et qui sont dans la prison, sauvés dans la prison, vont aller voir où nègres qui ont terrorisé la population dans la zone métropolitaine. Oui, on a salué Pradel. Oui, nous saluons toutes les plaisir pour nous capables d'informer nous. Eh bien, information, yo, côté que, au niveau du département La Tibonite, eh bien, je vous dis à qui c'est le 3 novembre, eh bien, ça fait un mois, eh bien, depuis que bandits et Savien, eh bien, ils ont été arrêtés, massacrés, eh bien, plusieurs mois, eh bien, un mois, que Gang Savien, la communauté, attaqué dans le quartier Ponsonbeau, la commune Saint-Marc, et bien, la date 3 octobre 2024, il y a toujours plusieurs dizaines de citoyens qui ont dormi la caillou pendant la soirée, ça. Monde, eh bien, au niveau du département La Tibonite, eh bien, qui eux-mêmes, qui a monté en marche ensemble avec Gang Pokouat Saraz, ensemble avec toute Gang Savien. Eh bien, écoutez, gagné plusieurs dizaines de citoyens qui ont dormi la caillou pendant la soirée, ça. Mon La Tibonite, tout levé à Glonanzier, et ça a pas monté, monde, pour tout
atterrir et bien sous place de Philippe Guerrier dans Saint-Marc. En pile diligence PC pour autorité de l'État, c'est un décrit population de la vallée de la Tibonite, directeur général de la police nationale, la primatite est obligé. Vous voyez plusieurs unités à proche blindé pour être capable de montrer qu'il y a une crasse de deux groupes gangs sérieux, Coco Axarat, ensemble avec les bases gangs sardiens. Yon moi, autorité de l'État a toujours à vaciller, promener à blindé malgré autorité locale, à policiers, mais depuis qu'on agit l'État central, pas décidé et bien pour gang écrasé. Pendant ce temps, gang a terrorisé la population la Tibonite. Chef gang de Poglari, l'État se vit ensemble. Et bien en tout cas, yon moi, massacre n'a pas fondu. Gang yon vin pipis, crié la Tibonite, a pris un coup. Pas jeune des policiers, car ce deuil, et bien la police a écrasé base gang là, qui était en route nationale là, et bien tout est capable de mettre poste de péage, autorité locale, au mandé, et tout capable de fermer et porter quelques institutions dans la carte qui tenait un obstacle pour être capable d'attaquer gang ça vient. Pour jamais bien aucune décision qui prend, bon côté autorité de la justice, ça fait mal, c'est qui doit être ordre, et tandis que le plan. Continue à victime la section communale, la marche de Saline à tirer la Tibonite. Pour le ministre Gary Kone, pas bien aucune volonté pour créer aucun groupe gang à cause de l'histoire de poste. Le ministère intérieur pour créer l'agent intelligence, celle de la population, c'est au niveau de responsable dans le conseil présidentiel là qui a dû réagir pour capable changer l'équipe sa cap bataille contre la population. Directeur départemental la Tibonite. La calotte exotique par une crasse de gang n'a pas la Tibonite. Malgré l'information du directeur général et police, nommé Ramon Dilbalode pour aider à agir, et bien, je vous rejoins qu'à agir. Dans le même cas de dossier, ça y est, et bien, la boucle de gang, et bien, ça vient, et même, ils ont continué à patrouiller la population à un samedi qui était 2 novembre 2024. Le groupe gang, et ça vient, et bien, ils ont kidnappé un peu de monde au niveau de zone Liancourt. Eh bien, et puisque nous connaissons, eh bien, zone ça lui-même, il y a un peu de monde qui connaît pour la chanson, ils sont sortis, eh bien, au niveau de frontières, eh bien, pour la chanson, venir ensemble avec marchandises, eh bien, la bouquet, et gang lui-même, eh bien, côté que l'on fait enlèvement qui fait à samedi 2 novembre, eh bien, sous Liancourt, zone Pont-Rouge. Environ, et bien, plusieurs monde qui t'annant, yon machine, bandit, enlevé, et bien, pour qu'on y a ce gros malheur, famille, moun, ça yon a fait, pour t'avoir relâché, au côté que c'est, en pile l'argent, et bien, yon obligé à demander, parce que, gain 11 blindés qui l'a dit, pas de la Tibonite, moun, yon m'a dit, puis ça, y a fait, à blindé de ça yon. Voilà, juste une seconde, monsieur, juste une seconde. C'est bagay San Abdoula, mesdames, messieurs, qui très grave. Là, pas qu'à gagner 11 blindés là, dans la Tibonite, pour nous tenter des bandits à faire kidnapping comme si rien n'était là. Ça veut dire blindé ça yo là, ou t'as dit sur équipe boîte, qui là, juste pour faire show off, et pendant cette population continue à victime. Gardez, n'a pas des gens, population, t'es content, les loués blindés au vini, ou pensez, monsieur, t'as pas le réglon bagay, mais vini au vini, c'est pas un réglé. Nous avons une équipe demoiselle Kenya qui l'autre bois, en un même, y'a pas réglé. Donc, monsieur, je nous dis, mon la Tibonite prend responsabilité, nous. Hein? Continuez à faire bruit, continuez à crier, continuez et faire sortir et voir nous, parce que c'est pas normal. Il y a 11 blindés qui là pendant ce temps, il a fait kidnapping quand il gagne la pluie, mes amis. Et ça pas normal. Ouais, ouais. Oui, et Napoléon continue toujours le même cadre d'informations qui sont censées dominer l'actualité au niveau du pays d'Haïti. Et bien, si nous avons son coup de pied là, et bien, Abdou, et bien, qu'on est le 1er 2 novembre, et bien, il y a environ 6 personnes qui brûlent pendant ce mouvement vaudou à Yes, 2 novembre 2024 là, dans une montagne noire commune toute son ville. D'après informations, il est arrivé rapporté journaliste, et bien, c'est à Mambou. Mamboua qui mettait 10 feux sous yo dans le moment et chevauché en bas loi. Et bien Abdou, et bien ça lui-même est venu passer et bien, au niveau de Pétionville, zone montagne noire. Et si vous connaissez bah, vous tout ça, et Jimmy, c'est un pile monde qui a plein tout. Et bien parce que vous ne pouvez pas vous passer là. Et par exemple, vous Saint-Marc, côté que. Et mon yo bien vaudou, c'est Youn et Boko en bois, et bien mesdames, l'autre bord, a dit l'autre bêtise. N'a avancé dans le cadre d'informations qui a pas donné. Oui.
Et bon, voilà, il m'a pété vers tout ça hier. Par rapport, c'est vrai, c'est tradition, nous, c'est culture, nous. N'a pété les morts, mais. Et puis, on s'appelle là. Mais attends, Salomon, est-ce que les protestants, chrétiens, ou pas plus que vaudouisants, eux? Est-ce que les chrétiens ont pas plus que. Parce que, quand le monde a dit bagay ça, qui pas retrouvé le bagay ça complètement là. Bagay moun a fêté zombie, a fêté mort. En pile, il s'est pas retrouvé. Là, a dit c'est tradition nous, mais on dit est-ce que c'est une majorité ou est-ce que c'est une minorité? Non. Et dis-moi, avant moi, pour nous question ça, bon, je vais aller. Parce que, m'pas dans la logique et chrétien en majorité. Parce que, depuis que vous faites en Haïti, nous sommes tous des vaudouisants. Et pas une question où vous avez choisi choix, bagage, et comme si, mais et comme si vous êtes capable de dire, vous levez là en Haïti, ou avec une nationalité et américaine, canadienne, mais vous avez l'impression que c'est Haïti. C'est même si vous êtes en Haïti, Jimmy, et là encore. Et même si vous êtes capable de dire, qui fait un Moyen-Orient, il y a une religion qui n'a pas appartenu avec l'islam, non, mais il va dire, il y a un seul. Même si vous êtes dans le continent africain, il est dans culture divine. Maintenant, on va toujours décanter par rapport avec ou choisir le bain. Mais, et vous là, on levez là, où c'est vaudouisant avant. Mais du moment où on va dire, si on va vos doigts, moi, mon petit problème avec vos doigts là, et pas de problème avec un bon égard qui peut être fait avec moi-même. L'homme temps de n'a fêté les morts, pendant que, et n'a vivre dans notre mystérieux, et nos pays, côté majorité des gens vivants, c'est des gens qui mourent. Et les gens qui vivent, c'est des morts. Par exemple, comme on comprend, on vit ou mourir et on va vénérer mort encore. Nous devons connaître, est-ce qu'on est là, les gens qui sont dans la diaspora, pour tout profiter, tout, appeler les baleines, non, nous-mêmes, on a ici tout, Jimmy. Est-ce qu'on a vénéré les morts? Pas du mal. Nous devons dire qui ça fait vivre en Haïti, avant de tout progresser. Nous devons garder pour être un peu zombie. Si nous devons avoir des morts, si nous ne pas zombie, mon cher, Gédéon nous a besoin de lever déjà, construire déjà. Si nous ne pas zombie, nous ne pas mort, Gédéon nous a accepté. Par exemple, comme on comprend, nous ne pas faire la caméra, maman, la caméra, ou les veux. Le moment est-il que nous avons mangé, pour aller faire, nous devons aller faire un coup. Et le moment est-il manger, où elle fait froid à ça, et même le laisser pas utiliser. Et ou même parlant, ou à dégager, ou à manger manger mal. Mais comme on comprend, nous avons accepté, nous avons souffert un coup, nous avons mouru la maladie. Nous n'avons pas d'insécurité, nous acceptons nos fitness, soit disant qu'il y a des pays, et puis il y a des pays, nous croyons des bonnes comme si rien n'était. Mais en garde, c'est pas moi, nous, même si on a fait des morts, on a posé ma question, est-ce que nous avons fait des morts, est-ce que nous avons des morts, est-ce que nous avons des vivants, mais nous mourons déjà. C'est manque d'éducation, mon frère. C'est manque d'éducation. Quand on est capable toujours fêter, nous sommes capables de faire débat ça déjà. Hein? On est capable toujours fêter, mais de là, on va faire des grimaces. On est capable de faire des grimaces, de prendre des piments, de mettre des vents. Ah! Mon cher, je le dis là, c'est éducation. On va regarder des grands piles vaudouisants. En plus, le monde qui vaudouisant, ou pas, ouais, ou fait ça, et sous place publique, ou pas, ou prend caméra, ou prend télévision, ou fait grimace ça, ou bon, moun ça, c'est des moun qui cherchent attention, et tout simplement, ok? Et puis, go l'autre facteur, mesdames, messieurs, regardez bien. Depuis, ou ouais, caméra, simplement, oui. Depuis, ou ouais, caméra devant, yo, bon, c'est laisse ça, ou t'as dit que loi papa, ou prend loi maman, ou prend yo. C'est laisse ça, ou gain pour faire toute grimace. Et puis, c'est peut-être ça, nous, des journalistes, surtout, c'est pour nous suspendre filmer, moun ça, yo. Parce que ou t'as dit c'est des gens qui pas jeune ouais caméra depuis ouais caméra bon nous mêlé ouais frère et non je vais dire non que lié même pas contre parce que nous lever nous maman papa nous gagne nous oui mais faut nous update Salomon nous en 2024 et pas parce que nous t'élever toi maman nous papa nous t'as fait série de bagaille qui peut-être que eux même pas de dimension pour comprendre ni. Ou comprenez que nous même nous obligés de faire même bagaille là. Nous là pour dépasser maman, nous pour dépasser papa nous. Yo ti moun doit plus intelligent que maman, plus intelligent que papa. Ou comprenez nous doit respecter coutume, c'est vrai, mais que c'est des bagailles. Par exemple, nan nous toujours dit et grenadier à la sauce ça qui mouri et zafè a yo. Nous même jodi à la 2024, nous pas ka dit ça qui mouri zafè a yo. Puisque nous refèl, nous dit grenadier à l'assaut, ça qui mourit n'a vengé yo. Donc nous update, nous devons tout le temps dépasser tête nous.
Hein? Nous devons tout le temps dépasser tête. Non, c'est comme ça. Oui, et oui, oui, d'accord, bon. Mais nous pas qu'à empêcher culturellement et par exemple. Maintenant, je dis, oui, nous avons obligé, nous avons le poisson, nous avons le mode et quoi, parce que nous fait là, et là encore pour porter au bénéfice du pays. On est pour payer à bénéfice du pays. Parce que moi, je vais l'autre du en Haïti, le pays qui s'aime, ça a tout plaisir et des étrangers pour avoir en Haïti pour qu'on ait phénomène ça. L'homme qui a aidé la passe et puis moi devant, comment faire, il pas brûlé, c'est un bagage qui a fait les touristes. Par exemple, tout ça, il y a encore les touristes avec. Par exemple, on m'a dit pour un coup de la cimetière, là, il n'y a pas les nannés, là, mais il y a les touristes, Jimmy. Nous, on a fait quoi, Babel? C'est une bagage qui a gaspillé. Tout ça, on a fait quoi, Babel? Nous, pas profiter de eux. Nous, qui c'est là, normalement, on laisse aller, mais on va après. Mais il y a là, on a fait quoi, Babel? Par exemple, chaque mois de novembre, c'est un premier moment en plus diaspora. En plus, mon nom, qui a fait étude, la première vie en Haïti, vient là, parler avec des témoins, et on va être content d'avoir des pays. Mais dans le temps, je vous ai dit, nous avons offert des pays. Cher Bagay Piment Salomon, Bagay Piment Salomon, il est ridicule. Le monde nous baisse pas. Bon, ok, il baisse pas ces piments devant vous. Retirez-en de la caou, passez piment devant, pendant la caou. Mais pourquoi ça, vous baissez faire publiquement? Hein, pour qu'ils soient besoin de faire publiquement, pour qu'ils soient besoin de caméra pour faire grimace ça, yo. Une dame qui a regardé extrait vidéo, mais grosse dame, non, oui. Il est pas même belle, il est pas même sexy, même, ou a fait grimace ça, yo. Qu'on a fait ou critiquer, nous. Monsieur, à nous avancer, puisque nous pas prendre, nous pas arrêter trop sur ça. Et à nous rentrer aux États-Unis, monsieur, parce que, Jouji. Monsieur, on entre jour J des élections et aux États-Unis, Pradel quand même. Et jour arrivé là, on connaît grand pile monde qui l'a, grand pile qui grand en voter par. Bon, on avance, mais bref, et on nous prend info ça. Oui, et on connaît, pour parler de là encore, c'est l'élection américaine. Et bien, il y a un pile citoyen qui, eux-mêmes, ils ont appris tant de joie et des gens qui ont annoncé le support. Et date que en plus le monde connaît, c'est 5 novembre. Le 5 novembre, et malgré que il y a un journaliste et haïtien qui eux-mêmes qui ont volonté pour aller suivre l'élection et qui a fait aux États-Unis. Eh bien, élection présidentielle américaine, eh bien, on essaie de comprendre vote populaire et vote grand électeur. Eh bien, à deux jours de la présidentielle américaine, eh bien, démocrate Kamala Harris et puis républicain Donald Trump qui a affronté le nom Dieu sans merci pour avoir succédé ensemble avec Joe Biden la Maison Blanche et qui a voté, qui a voté, eh bien, pour avoir élu ou bien 47 président des États-Unis, eh bien, n'a pas bien en plus le monde qui a besoin de comprendre décrypte le système électoral américain qui est unique en son genre. Média local qui décrivait une atmosphère très tendue avec un dernier sondage qui montrait candidat yo coude à coude alors qu'il y a 244 millions électeurs qui a préparé pour capable choisir Jeunet mardi et le prochain occupant de la Maison Blanche. Barrière de sécurité, vitrine protégée, et bien par deux planches, forte présence policière. Washington qui a préparé à tout risque de violence. Autorité de la capitale fédérale, eux-mêmes, ils ont également mis en garde contre un environnement de sécurité mouvant et imprévisible, et bien qui est capable de persister dans le jour de eux, et bien suivant ce métier de bureau et de voiture. C'est ça que le journal Nouvelle République lui-même lui poutine. Vote populaire et grand électeur. Contrairement à l'autre pays qui a adopté un système de vote direct, côté électeur, il choisit directement leur candidat. Le président américain lui-même lui élu au suffrage universel indirect. En un seul tour. Et bien, c'est pas donc le vote populaire là qui peut déterminer directement qui est qui a élu. Mais dans le dernier, et c'est Trump qui charge avec la population et puis il faut. Je suis une voté pour ce grand électeur qui va choisir pour une partie du cap élu. Et bien, Wally, il va désigner le grand électeur. Ce dernier a prévu ensuite le 17 décembre pour qu'il va élu nouveau chef d'État. Il va voter soit pour Kamala Harris, soit pour Donald Trump. Et bien, candidat qui a gagné le 270 grands électeurs sur 538 au total, la remporté l'élection.
n'a pas eu la rencontre, pour gagner 270 grands électeurs, et bien sur 538, et bien c'est le monde qui gagne 270 là, et bien c'est les mêmes qui va remporter l'élection. Le 6 janvier 2025, Congrès va réunir en session conjointe pour capable comptabiliser cette colonne électorale là. Kamala Harris ou Donald Trump, ils vont préparer ensuite le 20 janvier pour capable de serment avant de pouvoir entrer en fonction dans le bureau ovale là. En cas d'égalité parfaite, c'est chambre des représentants qui va le trancher. Un scénario qui n'a pas produit que deux fois dans l'histoire américaine. C'était en année 1800 et en 1824, côté que ces chambres-là qui étaient, et qui est-ce qui t'a fait parce que, et puisque je gagnais égalité. En outre, et bien, c'est le Parti démocrate et républicain qui a nommé directement grand électeur ou délégué local, et bien, pendant la convention nationale qui était organisée et tout précédent élection en juillet pour les républicains et en août pour les démocrates, et c'est un rappel que nous faisons. Au total, États-Unis comptait 538 grands électeurs répartis entre les 50 États fédérés qui composaient le collège électoral là. Tout État n'est pas disposé même nombre de grands électeurs. Et bien, ça a été déterminé en fonction de densité population. Chaque État a un nombre de grands électeurs égal au nombre et bien, de représentants au niveau du Congrès, soit deux sénateurs et un nombre de députés proportionnels avec population qui habite dans l'État. En deux termes, plus un État est peuplé, plus il y a un grand électeur. Exception du Maine et puis Nebraska. Tout État, à l'exception de zones au Maine, ensemble avec Nebraska, qui appliquait le principe Wiener Texcol, eh bien, écoutez que c'est gagnant, il a remporté tout. Écoutez, le candidat qui gagne plus de droits, eh bien, l'État a remporté totalité grand électeur. En revanche, eh bien, zone que nous mène avec Nebraska, il y a le taux système mixte. Il attribue électeur individuel en fonction du vote populaire dans chaque district au niveau du Congrès, et puis deux grands électeurs supplémentaires en fonction du résultat global à l'échelle de l'État. Autrement dit, le grand électeur est choisi dans chaque district congressionnel en fonction du résultat local. Parce que pour le grand électeur, il va le définir selon vote global dans l'État. Et ce n'est pas vrai, parce que nous avons l'élection, ça a duré sur l'élection, pour dire qu'en plus, nous avons même eu à prétendre. Et bien, citoyens américains ont voté également pour renouveler totalité une chambre des représentants et un tiers du Sénat. Enfin, en pile et au niveau de l'élection FAO, qui a fait donner au niveau local, étatique 85 de 99, le statut du pays, ils ont organisé ce scrutin FAO. En tout, 1335 élections à fait mardi aux États-Unis, et nous connaissons son jour, en pile moi-même, il y a Britain qui nous connaît. Qui est-ce qui parle, nouveau président des États-Unis d'Amérique? Voilà, juste moi, monsieur, juste moi, mesdames, messieurs, bon, nous prenons extrait ça pour vous. Juste pour nous, faut attendre, mais comment réaction est là pour qu'on y a là. Et flèche qu'a plancé des deux côtés. Des deux côtés, entendez-vous extrait ça, mesdames, messieurs, puis par la suite, nous-mêmes, on va avancer. Et pour, et évidemment, pour qu'on y a là, il faut qu'on ait dans le sondage là, eh bien, bon côté, mesdames, il y a plus de femmes et qui plus veulent aller voter et ils disent que vote là t'a plus voulu baser avec Kamala Harris, mesdames, yo camper avec Kamala Harris tout bon. Mais bref, on t'a dit que c'est ça. Voilà, on nous pour c'est ça pour à l'instant même réaction de Donald Trump et traduction en lui fait en français. C'est risquer la vie de millions de personnes. Elle nous entraînerait dans la Troisième Guerre mondiale parce qu'elle est trop incompétente pour faire quoi que ce soit. Vos fils et vos filles finiront par être appelés sous les drapeaux. Il y aura un recrutement. Faire de Kamala une présidente, c'est risquer la vie de millions de personnes. Elle nous entraînerait dans la Troisième Guerre mondiale parce qu'elle est trop incompétente pour faire quoi que ce soit. Vos fils et vos filles finiront par être appelés sous les drapeaux. Il y aura un recrutement.
Oh, elle adorerait un appel sous les drapeaux. Tout ce qu'elle veut, c'est la guerre. La raison pour laquelle je ne m'entends pas avec elle, c'est qu'elle veut envahir tous les pays qu'elle a pu voir. Elle a dit qu'elle était une droguée comme son père l'est. Cette personne ne peut pas être présidente. Elle est trop faible et trop stupide pour représenter l'Amérique sur la scène internationale. Kamala, tu es virée. Dégage, tu es virée. Donald Trump a l'intention d'utiliser l'armée américaine contre les citoyens américains qui ne sont tout simplement pas d'accord avec lui. Des gens qu'il appelle, je cite, l'ennemi de l'intérieur. Ce n'est pas un candidat qui pense à faire de votre vie une vie meilleure. C'est quelqu'un d'instable.